à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver dans Chef à bord. Non. Bonjour à toutes et à tous, je suis très contente de retrouver... Non, pas de retrouver. Je suis très contente de rejoindre l'aventure Chef à bord. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de rejoindre l'aventure Chef à bord et cette année, je vous propose un petit bonus. Tout ce que vous avez toujours voulu savoir des coulisses, les bêtisiers, les moments croustillants sur Nico ainsi que sur tous les candidats, avec mon acolyte Brieux, on vous emmène dans les coulisses de Chef à bord. Pour cette première épreuve de Chef à bord, direction les cuisines du lycée Alexandre Dumas à Ilkirch. On y retrouve l'équipe de tournage, je vous présente. Hop, hop, hop! D'abord, on s'équipe les gars. L'hygiène avant tout. Viens, je te présente l'équipe. Monsieur Baloul. La petite Delphine. Vincent. Bonjour. Le Max. Et Zélie. C'est parti! Des bananas, des tomates, des patates. On a retrouvé Pauline, la nounou des candidats. Alors là, ils sont en épreuve, donc elle, pour le moment, c'est cool. Là, l'objectif de la matinée, c'est trouver l'hôtel et le bar du lycée. On y va. Bon, alors là, on a trouvé l'hôtel avec Pauline. On découvre les lieux. Du coup, dites-nous à quoi servent ces chambres. Ces chambres sont exploitées par les élèves. Oui. Nous avons des élèves qui les nettoient, par exemple des élèves de CAP. Nous avons aussi des élèves en BTS MHR, Management Hôtellerie Restauration, qui sont là pour contrôler leur travail. Mm-hmm. Certains les nettoient, d'autres les contrôlent. Oui. Puis après, il y a le grand chef qui passe aussi pour contrôler que tout répond aux standards de qualité de l'établissement. Bon, la première épreuve est finie, du coup on retrouve les candidats, ils sont aussi en train de manger. Alors malheureusement, pas leurs assiettes, mais des sandwichs. Ça va quand même. Ça y est, détendu ? Fini la première épreuve ? Comment c'était ? Vous battez pas. Très cool. Viens, on va voir nos petits cadreurs, là. Ça, j'aurais bien fait un jeu, là, un No Love Challenge. Tu sais, c'est le truc où tu poses des questions et tu dois pas rigoler. Ah, il y a Cédric qui nous appelle, là. Vous avez entendu. Non ! Alors ça, c'est le pack shot. En gros, quand une assiette est prête, les candidats ont fini. Une des assiettes a été dégustée et la deuxième assiette, elle sert de déco. C'est celle que vous voyez tourner magistralement. Yeah. Ah, je déconne. J'ai rien compris de ce qu'il m'a dit. C'est quoi? J'ai pas compris, Zélie. J'ai pas compris. On a rencontré Frédéric Leichnam, directeur délégué aux formations du lycée, qui nous en dit un peu plus sur l'établissement. Est-ce que la perche est dans le champ? Non, c'est bon. Okay. La perche n'est pas dans le champ. Le chien est perché. Alors, comme vous voulez. Ok, 1, 2, 3. Alors Frédéric, ici on est au lycée Alexandre Dumas à Ilkirch. Quel est votre rôle au sein de l'établissement?
Ma fonction est directeur délégué aux formations technologiques et professionnelles et je suis conseiller du proviseur sur tout l'enseignement pratique. Alors quel type de formation vous proposez? Parce qu'il y en a tout un tas, mais quelles sont les principales? Alors le lycée propose des formations du CAP au BTS, et en cuisine et en restaurant, tout comme le bac professionnel. En lycée technologique, on propose des formations le STHR, qui inclut et l'hébergement et le restaurant. Et en BTS, chaque élève pourra choisir sa formation, soit en management de restauration, de production culinaire ou d'hébergement. On propose également des formations complémentaires d'un an, qui permettent aux élèves de se spécialiser soit en pâtisserie ou en traiteur pour la cuisine, en sommellerie, en bar pour le restaurant, et une formation un peu plus mixte avec les organisateurs de réception. Et pour les gens qui veulent se diriger vers l'hébergement, on propose une mention complémentaire accueil-réception. Accueil-réception, super. Et là, on va faire un petit tour au bar. Vous m'avez promis un petit verre. Voilà, donc là, on va découvrir cette formation-là. Alors, on arrive. On arrive. Un petit verre avec nous, ça vous tente? L'un des élèves en spécialité bar nous propose un cocktail création, la quinte flush. On découvre. Alors, qu'est-ce que tu nous prépares? Alors aujourd'hui, je vais vous réaliser la quinte flush. Donc, c'est un cocktail sans alcool qui se réalise au shaker et servi dans un verre old fashioned. Salut, c'est Brieux, on arrive à la fin de ce premier épisode. C'est lié à les conclure, mais en fait, je me rends compte qu'on a oublié d'allumer les micros, du coup, je vais vous faire. Et c'est ainsi que s'achève le premier épisode de Chef à bord, les coulisses. Bon, j'arrive plus à lire sur ses lèvres, donc vous l'aurez compris, on vous réserve encore plein de surprises, et surtout, à la semaine prochaine.